Alors l'exposition Drive-In qui ouvre ce soir au CAPC, c'est une installation qui, en fait, avec laquelle on va revisiter un certain nombre de thématiques qui sont liées au cinéma, à l'histoire de l'art, à la standardisation, dans un espace très accueillant qui est fait pour que les gens viennent, s'allongent sur les éléments sur lesquels je suis assise là juste en ce moment, et puissent visionner des films, écouter de la musique et manger du pop-corn. Donc on joue vraiment avec l'idée du cinéma, on joue avec l'idée aussi qu'un musée c'est un lieu qui doit être accueillant, qui doit s'ouvrir au plus grand nombre et qui doit aussi avoir une dimension joyeuse, peut-être même festive, en tout cas ce soir pour le vernissage. L'exposition ici, elle comporte plusieurs choses, donc un ensemble de sculptures voitures un peu en lévitation, des fantômes de la standardisation, mais aussi des films avec lesquels cette installation répond, des films qui traitent de trois sujets qui ont été faits spécialement pour l'exposition au CAPC. Le premier s'appelle « Possessed », possédé, et il raconte en quelque sorte une figure croisée entre d'un côté l'émergence avec la révolution industrielle de la production d'objets pour le plus grand nombre, mais ces objets ne sont plus faits par des ouvriers, enfin par des artisans, mais par des ouvriers. Et on raconte qu'à la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de journaux qui s'amusent beaucoup et qui racontent comment les objets commencent à se rebeller contre leurs propriétaires. Cette rébellion des objets, elle est liée en fait à l'émergence de ce qu'on a appelé le mouvement spirit, le spiritisme, et il se place au même moment où les esclaves sont considérés encore dans le code noir, comme on l'appelle, comme des objets. Et ce premier film est suivi de deux films tout à fait différents, un autre qui dure un tout petit peu plus longtemps et qui s'appelle Holmes Sweet Home, qui est un jeu de mots sur un individu qui n'est pas forcément la personne la plus connue pour de bonnes raisons et qui s'appelle H.H. Holmes et qui est considéré comme le premier serial killer des États-Unis. Un homme qui a construit une architecture, une maison immense avec plus de 35 pièces par étage dans lequel il a tué des dizaines de personnes. Et puis le troisième projet est un projet très très joyeux, un film qui revisite l'ensemble des photographies réalisées par des designers, Charles et Ray Eames. Et dans ce film, la question qui est développée, c'est un rapport aux images, parce qu'il faut savoir que ces designers ont en quelque sorte livré à la fin de leur vie, dans les années 70-80, un lot de 750 000 diapositives et photographies à la Library of Congress, et je suis allée fouiller dans ces images pour composer une sorte d'hommage à leur travail. Mais en fait, tout ce travail sur les images que ces designers ont fait a certainement, c'est une hypothèse que je lance, à voir avec l'idée des images subliminales ou de ce qu'on a appelé le contrôle mental. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je crois qu'il faut venir voir découvrir ça. Alors faire un drive-in dans un musée, ça peut paraître évidemment particulier, puisque en général, ça se fait à l'extérieur. C'est un endroit dans lequel il se passait beaucoup de choses en même temps, et pas simplement de voir des films. Et je pense que c'est intéressant aussi de profiter de cette opportunité pour le public bordelais, de lui présenter plusieurs choses. Et comme ça, il y a plein d'entrées pour plein de gens différents. On y va. Cela fait des années qu'avec le CAPC et Présence Capitale, nous sommes en relation pour essayer d'amener ce concert dans la ville de Bordeaux, c'est-à-dire l'intégrale de la musique pour piano de Philippe Glass, donnée d'une manière non-stop, c'est-à-dire sans aucune pause, présenter l'intégralité de l'œuvre d'un compositeur, pouvoir s'immerger d'une façon quasi hypnotique dans l'œuvre d'un compositeur. Et nous attendions vraiment le bon moment, la bonne période, et la magnifique exposition Drive-In d'Alexandra Midal nous a paru être le moment idéal, et son œuvre qui concordait parfaitement avec ce type de musique et ce type de proposition.
Ce soir, je vais dans l'exposition Drive-In au CAPC. Je vais donc présenter l'intégralité de l'œuvre de Philip Glass. Et ce qui est formidable avec ce format, c'est que l'on va pouvoir entendre en concert des œuvres dont on n'a pas l'habitude. Je pense en particulier à How Now, Two Pages, Music in Fifths, ou même certaines musiques de films qui sont la plupart du temps écartées de la proposition concert. Différents styles de Philip Glass vont s'enchaîner, ce qui va permettre comme ça à la personne qui pourra rester qu'une heure ou deux heures d'entendre ses pièces favorites, mais aussi d'entendre des pièces de virtuosité et aussi entendre des œuvres beaucoup plus radicales, un petit peu comme s'il avait un éventail de toute la création glacienne. Et forcément, pour ceux qui vont tenter l'expérience et rester l'intégralité du concert, ils pourront véritablement profiter de tout le génie créatif de ce grand compositeur américain qui, qu'on le veuille ou non, a véritablement bouleversé la proposition musicale du XXe siècle.